Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul. Je sais que ça fait un moment, mais voilà, on se retrouve pour un haul très simple. Je me suis concentrée vraiment sur des basiques parce que j'ai vu qu'en ce moment, les filles aiment beaucoup porter des habits de sport. Donc je me suis dit, on va pas se casser la tête à prendre des articles qu'on va porter une seule fois. J'ai pris des articles que vous êtes susceptibles de porter tous les jours, comme moi, parce que moi, habituellement, quand je sors, je m'habille que comme ça. Après, j'ai pris quelques petits accessoires et tout. Si tu es tombé sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche, j'ai une question pour être au courant de toutes mes vidéos. Et sans plus tarder, on commence notre haul. Alors, donc là, ensuite, on a cet ensemble que j'ai pris en taille M. En fait, il est joli, mais je pense que j'aurais pu prendre une taille au-dessus pour que ce soit un peu moins serré. Après, là, comme je suis en processus de perdre du poids, je pense que ça ira après. Mais ouais, franchement, il va bien. Ça c'est les outfits où t'as pas envie de prendre la tête, tu veux sortir dans la ville, aller faire des courses, ou même prendre l'avion, tu vois, donc voilà, je trouve que ça aussi c'est des indispensables à avoir. Donc on passe au suivant. Donc ensuite j'ai pris cet ensemble de chez Glow Mode. Je vous ai déjà montré plusieurs coloris que j'avais choisi auparavant. Et franchement ça c'est vraiment des ensembles de très 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 bonne qualité sur Shein. Donc si vous cherchez des ensembles de sport de très bonne qualité, je vous conseille vraiment ceux de Glow Mode parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Là j'ai pris le bleu. Moi je suis pas une go du bleu de base, mais là je trouve que ça en va super bien. Dites-moi en commentaire. En tout cas j'aime trop. Et ce qui est bien en fait, c'est que ça fit bien le corps, tu vois. Et t'as pas besoin de prendre une taille au-dessus. Moi, je prends une plus petite taille pour que ça me serve vraiment. Par exemple, là, j'ai pris du S alors que je fais du M de base, tu vois. Mais en tout cas, c'est trop beau. Je vous montre tout de suite le marron que j'ai choisi. Donc voilà, pour le marron, il est tout aussi joli. C'est un marron un peu clair que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les ensembles Glow Mode qui sont vraiment trop jolis. On voit pas les cellulites alors que moi franchement la cellulite j'en ai. Mais tu vois ça lisse bien le corps, je sais pas comment te dire. Donc ouais franchement les ensembles Glow Mode foncés c'est vraiment top. Alors franchement ces ensembles là c'est ceux que j'attendais de ouf. Parce qu'en fait je les voyais sur Shein depuis un moment. J'ai vu aussi sur les réseaux et tout. Mais en fait j'avais peur de la qualité. Sachant qu'en plus ça coûte pas cher. En fait quand je les voyais sur Shein j'avais l'impression que c'est des ensembles en fait avec lesquels on allait voir ma cellulite en fait. Étonnée par la qualité du vêtement, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé tellement joli. Je voyais sur d'autres sites c'était un peu plus cher. Alors si vous êtes comme moi et vous étiez hésitante sur cet ensemble, prenez-le. Franchement, il est de bonne qualité, je trouve. Donc voilà pour le gris. Donc c'est pareil que le noir, hein, pareil. Il n'est pas transparent non plus. Après, si un peu en fait, non. Il est un peu transparent, genre pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc il va falloir faire gaffe avec celui-là. Mais sinon, franchement, c'est top. Je kiffe. Alors quand bien même si c'est un haul centré sur les basiques, j'ai quand même tenu à prendre ce pull qu'en fait que j'ai trouvé trop joli. Et en fait je pense que je l'ai pris chez les hommes. Après ça va pas être au goût de tout le monde, mais en fait j'ai trouvé atypique, j'ai trouvé beau. Avec les petits lacets qui tombent un peu partout et tout, moi je trouve ça beau. Enfin, je trouve que c'est une pièce. I like it so much. Donc ensuite on a ce trench en jean. Mais j'avoue que je suis mitigée parce qu'en fait je suis en train de réfléchir à comment je vais porter ça en fait. Donc voilà, qualité jean, hein, normal. Après c'est pas une qualité très... je sais pas comment te dire. Le jean il est bien mais voilà, tranquille. J'aime bien la couleur. Mais après je sais pas en fait. Un trench en jean, tu portes ça avec quoi en fait? Faut vraiment que j'essaie de m'inspirer peut-être sur Pinterest. Là pour l'instant j'avoue que je suis pas très inspirée. Mais c'est vrai qu'il est joli et que ça change en fait. Je voulais vraiment un trench qui change. Parce que vous savez j'ai les trench basiques beige, noir et tout et tout. Mais c'est vrai qu'en jean, je sais pas, je trouve que c'est différent. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. En tout cas je l'ai pris en taille M. Et ouais ça va, il est joli. Franchement il est joli. Et donc bien évidemment, qui dit haul dit accessoires. Donc il y a une partie accessoires. J'ai pris deux sacs et trois paires de talons que je vais vous montrer tout de suite. Donc en premier, on a ce magnifique sac doré. Je le voyais partout. Et franchement, je le trouve archi beau, archi classique, tu vois. Genre il est vraiment trop joli. Genre vraiment, on dirait une œuvre d'art. Vraiment trop beau. Je le vois bien porté avec une tenue full black. En plus, il vient super bien emballé. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que le téléphone rentre dedans. Attendez. Le téléphone rentre dedans. Oui, le téléphone rentre dedans. Donc vraiment, c'est vraiment un très joli sac que j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, on a ce sac genre trop beau. Pour les filles qui voyagent ou quoi, ou qui aiment les gros sacs, celui-ci, franchement, il est de très bonne qualité. J'étais vraiment étonnée. Regardez, à l'intérieur, c'est du simili cuir. Ici aussi, hop, il y a du simili ici. Et il est trop beau. Regardez. Genre là vous voyez il n'est pas encore bien rempli et tout, ça veut dire qu'il n'est pas bien gros tu vois.
Mais il est trop magnifique, franchement trop trop beau. J'ai trop hâte d'acheter une valise beige pour l'accorder avec. Qui a dit qu'il fallait forcément dépenser des milliers d'euros pour avoir des jolis sacs? Donc si tu cherches un sac de voyage, voilà. Donc on commence par les basiques, bien évidemment des talons transparents. Et la particularité en fait c'est son talon. Donc son talon il est vraiment vraiment confortable, genre c'est une dinguerie. Vous voyez le fait que son talon il soit carré comme ça, bah c'est grave confortable. Genre vraiment j'étais très étonnée. Et j'ai pris une taille au dessus pour pas avoir les pieds boudinés. Parce qu'il suffit que ça serre un peu trop et franchement ça fait boudiner, c'est pas joli. Donc vraiment prenez une taille au dessus pour avoir, bah déjà pour être à l'aise et pour avoir un bouclier. Donc voilà pour nos talons transparents. Alors bien évidemment j'ai pris des talons dorés comme ça qui sont trop beaux. Donc le talon pareil il est pas très haut et en fait le fait qu'il soit comme ça là, voilà. Donc vous voyez le talon il est pas très haut, donc vraiment on est confortable dedans. Vraiment là je suis à la recherche de talons confortables, j'en ai marre de souffrir et tout. Voilà, moi j'aime les talons mais en fait j'ai très très mal aux pieds quand j'en mets. Donc du coup je me suis vraiment concentrée sur des talons qui paraissent confortables et je me suis pas trompée. Donc voilà le talon, en plus la qualité franchement elle a l'air bien. Voilà pour les talons dorés qui sont vraiment trop beaux. Ensuite là on a la plus belle paire mais c'est celle qui fait le plus mal. J'ai essayé, oups, j'ai essayé et franchement ça fait mal, genre ça fait vraiment mal. Genre bon, déjà vous voyez que le talon est assez haut. En fait moi je me disais comme le talon il est pas aiguille de ouf, ça l'aide bien tu vois. Sauf qu'en fait le truc il est haut. Et regardez, vous voyez la ficelle ici? C'est très très fin, donc du coup ça fait mal aux pieds. Mais c'est pas grave parce qu'elle est très belle. Donc quitte à avoir mal aux pieds et avoir des jolis pieds, bah, c'est pas grave tu vois. Après ça va dépendre hein. Je pense qu'une fille qui a les pieds plus fins que moi aura moins mal. Parce que moi j'ai pas des pieds très fins tu vois. Donc je pense que ça dépendra des gens. Mais en tout cas c'est vraiment une très très belle paire hein. Elle fait vraiment très luxueuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle fait grave luxueuse. Elle est de très bonne qualité. Franchement j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un plus long haul. Parce que là, en fait, il manquait grave des articles. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Donc, c'est pas grave. En tout cas, moi, il m'a plu. Et j'espère que vous aussi, vous a plu. Donc, on se retrouve très prochainement. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.